Bienvenue pour la seconde partie de notre programme. Nous avons passé la frontière italienne en direction de l'Autriche et de la très bucolique vallée de la Varao. Cette république alpine de 8 300 000 habitants se targue d'avoir servi de modèle pour la grande réforme de la politique agricole commune. Elle est située pour deux tiers en zone difficile ou en montagne. Elle est basée aussi sur des exploitations familiales de petite taille, plutôt respectueuses de l'environnement, et elle cherche à innover, voire à rajeunir. Nous verrons comment à travers nos reportages et avec nos grands invités, à commencer par le ministre de l'Agriculture d'Autriche. Et nous avons le plaisir de recevoir pour premier invité le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement d'Autriche, André Ruprechter. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Dites-nous un peu les particularités de votre agriculture. Les agriculteurs travaillent dans des régions défavorisées. Plus que 60% sont dans des régions montagneuses. En même temps, notre stratégie d'adhésion aux Unions européennes, il y a maintenant plus que 20 ans, c'était que notre structure agricole, qui est une structure familiale, petite, est organisée comme une agriculture qui respecte l'environnement. Alors précisément, monsieur le ministre, c'est cette agriculture qui a servi de modèle, paraît-il, à la nouvelle politique agricole commune pour se réformer. En effet, elle a su, cette agriculture autrichienne, tirer des bénéfices de ses désavantages naturels, comme nous le montre tout de suite ce reportage signé de notre envoyé spécial, Johan Baudin. Contemplant chaque matin ces paysages alpins, Hannes n'aurait pas imaginé faire un autre métier. Ça fait 200 ans que cette ferme est dans ma famille. Il a donc repris l'exploitation de ses aïeux. En montagne, 30 hectares de forêt et 28 hectares de prairies, principalement pour son troupeau de veaux et de génisses. Une soixantaine de têtes qui lui ont été confiées et qu'il élève pendant 2 ans. Ici, on produit en petite quantité, mais on a une excellente production avec beaucoup de bien-être animal et de respect pour la nature. Nos fermes, ce sont des exploitations familiales. Je crois qu'il est essentiel qu'une famille se porte garante d'une exploitation. On n'est pas une industrie ici. L'élevage ne représente qu'un quart de son activité. Et avec la sylviculture, il arrive tout juste à tirer 50% de ses revenus de l'agriculture. On a besoin de revenus complémentaires pour vivre. On doit aller travailler pour pouvoir conserver cette ferme, mais c'est une base de revenus et un chez-soi. Pour conserver sa ferme, Hannes s'est donc diversifié. Il gère également une entreprise de déneigement l'hiver, un autre quart de ses revenus, et passe désormais de plus en plus de temps dans cette pièce protégée par un digicode, son bureau. Aujourd'hui, la majeure partie de mon argent, je la gagne ici, au bureau. C'est ici qu'il déniche toutes les aides possibles pour maintenir son activité à flot. Subventions de la PAC et programmes gouvernementaux pour le verdissement, les agriculteurs autrichiens sont les champions des subventions. On ne doit pas avoir peur de faire de la paperasse. Toutes ces subventions sont nécessaires et sont devenues une habitude en Autriche. Plus de 60% des aides perçues en Autriche le sont au titre de soutien à des mesures agro-environnementales, un record en Europe. En tout, Hannes collecte tous les ans près de 10 000 euros de subventions. Il a aussi récemment convaincu son banquier d'investir 250 000 euros ici. Pommes, carottes, des bouteilles de schnapps, on en a un gros assortiment. Un magasin pour vendre les produits des fermes environnantes directement aux consommateurs. La région attire 2 millions de visiteurs par an. Hannes, l'agriculteur, se mue en entrepreneur et ses affaires se portent bien. Des exploitations familiales, respectueuses de l'environnement et des fermiers qui gèrent plusieurs activités, c'est le type d'agriculture que défend le pouvoir autrichien.
Nous pensons que notre modèle est un modèle à succès. La qualité de la nourriture que nous produisons est très importante. Et pour nous, c'est un défi. Et puis, pour des produits de qualité, des produits bio, des produits nationaux et naturels, eh bien, le prix est plus élevé. Et les consommateurs approuvent cette démarche. En Autriche, les denrées sont globalement plus chères que chez ses voisins. Dans ces montagnes, Hannes continue de promouvoir auprès des jeunes les vertus du modèle autrichien. C'est important que ça continue de fonctionner comme ça. Ça doit continuer. Traditionnel, diversifié et subventionné. Une agriculture très soutenue aussi par les consommateurs et les politiques et qui a su faire de ses faiblesses des atouts. Est-ce que, monsieur le ministre, du coup, on peut dire que votre agriculture autrichienne, elle a pleinement bénéficié de cette nouvelle PAC qu'on voulait plus verte, plus écologiste, plus petite, recentrée sur les petites exploitations? Le développement rural, nous avons bénéficié beaucoup en Autriche. Cette politique, le deuxième pilier de la PAC, c'est le pilier plus important en Autriche parce qu'avec cette... une politique durable ou par exemple le programme agro-environnemental, parce que c'est aussi l'expectation des consommateurs en Autriche que les agriculteurs respectent les ressources naturelles, l'environnement. En Autriche, plus que 20% du surface agricole sont organisées au régime du bio. Ce qui est beaucoup. Ça, c'est vraiment beaucoup. Je pense que nous sommes le pays bio numéro 1 en Europe. Et puis, il y a la question du vieillissement de cette population agricole. Mais en Autriche, vous avez quand même réussi à avoir 10% de la population qui est en dessous de 35 ans. Et c'est très bien en Europe. On peut dire que l'agriculture en Autriche est une agriculture jeune. Et c'est un résultat de cette politique rurale. Développement rural, parce que il y a 20 ans, c'était l'opposition. On a eu une agriculture très âgée. Et maintenant, on utilise l'instrument à l'installation pour les jeunes. Même, on donne une prime nationale additionnelle pour l'aide directe. Et d'ailleurs, ici, ils espèrent en profiter bientôt dans cette école où il y a beaucoup de pratiques innovantes et plein de filles aussi, des filles. Cinq ans dans cette école, tu fais tout, couper les pommiers et les raisins. Tu fais du vin, tu goûtes tout le vin et tu fais tout. Mon père vient de Eisenstadt et ma mère... je viens de la Normandie, dans la France, je veux travailler avec mes oncles pour faire les jus de pomme et couper les pommiers. À la maison, nous cultivons des fruits et produisons du vin. Plus tard, je souhaite reprendre cette exploitation. Je sais que c'est beaucoup de travail, car il faut travailler toute la semaine, plus les week-ends, mais j'aime travailler dehors, au contact avec la nature et pour la nature. J'adore. Je ne suis pas sûre de ce que je ferai plus tard, mais je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas le dur labeur qu'il y a derrière les produits qu'on achète au supermarché. C'est intéressant de l'apprendre à l'école. Alors, vous aimez bien les pommes, monsieur le ministre, je crois, non? Oui, bien sûr. Ah bah celles-là, elles sont particulièrement belles et savoureuses. Mais alors, elles ont un petit problème d'embargo? Oui, ils ont des problèmes d'embargo russe, comme toute la crise agricole que nous faisons pour le moment. Au secteur du lait, au secteur du porc, l'origine est l'embargo russe. Et c'est pourquoi je demande que le Conseil européen réévalue des sanctions européennes. Et discute une stratégie d'exit de cet embargo. D'accord. Alors, autre question importante pour l'Autriche, évidemment, la diversification des cultures pour s'en sortir financièrement.
La combinaison des revenus, c'est une forme d'organiser son ferme. Et beaucoup de notre agriculteurs gagnent leurs revenus, par exemple de l'agrotourisme, qui est une institution très bien organisée en Autriche depuis 30 ans. Vous avez raison, la pluriactivité, c'est véritablement le secret. D'ailleurs, Johan Baudin a trouvé deux jeunes exploitants qui sont en train de se diversifier, vous allez voir, intensément, avec dans leur ferme des animaux à caresser. On regarde tout de suite. Pour faire paître sa vingtaine de têtes, Jürgen possède 10 hectares de prairies et de céréales. C'est assez pour lui, juste ce qu'il faut pour que sa ferme soit en autarcie. La taille du terrain et le nombre d'animaux correspondent. Nous n'avons besoin de rien acheter. Pas de nourriture pour les bêtes. Nous utilisons nos propres réserves pour les animaux l'hiver. Pour moi, c'est important de ne pas avoir trop de vaches. À 42 ans, Jürgen ne souhaite pas agrandir l'exploitation qu'il a repris il y a 5 ans. Au-dessus de ses prés, il a aussi 30 hectares de forêt. Il vend du bois pour la menuiserie et le chauffage. Mais agriculture et sylviculture ne rapportent que 60% des revenus du foyer. Martina ? L'autre activité, c'est le domaine de sa moitié. Martina, ma femme, c'est elle qui s'occupe de l'autre branche de l'exploitation, les vacances à la ferme, et c'est très important pour nos revenus. 40% de revenus supplémentaires. Le couple a bénéficié de 10 000 euros d'aide à l'installation de l'UE, mais a dû investir 100 000 euros pour rénover la ferme et mettre les 4 chambres de l'étage au goût des vacanciers. L'an passé, nous avons fait plus de 1000 nuitées, mais la moitié des lits, ce sont des enfants. Nous avons beaucoup de familles, 2 parents, 2 enfants. La moitié de notre clientèle, ce sont des enfants. Et pour attirer les familles, les Rosinger ont donc acheté des animaux peu utiles à l'agriculture, mais très attirants pour les enfants, des animaux à caresser. Nous avons 2 poneys. Ce sont des Shetland miniatures. Ils sont particulièrement bien aimés parce qu'on peut leur faire confiance. Ils aiment les enfants. Nous avons aussi 2 lapins et 2 chèvres naines et toujours une dizaine de chatons. 10% des agriculteurs autrichiens ont déjà franchi le pas et proposent l'hébergement, voire les repas. 170 000 lits sont disponibles, la plus forte proportion de l'UE. L'Office du tourisme local apporte son soutien à ces fermiers hôteliers, d'autant plus que certaines régions d'Autriche limitent la construction d'établissements de tourisme. Les agriculteurs ont besoin de nous et nous avons besoin du tourisme à la ferme. Notre région repose sur le tourisme doux. Pas de tourisme de masse, pas de gros hôtels, pas de grosses infrastructures, simplement la nature. C'est ça le tourisme doux. La contrepartie pour ces agriculteurs, pouvoir assumer un investissement important et ne pas compter leurs heures pour satisfaire les clients, en plus de s'occuper des animaux de la ferme. Et pour terminer, nous sommes au milieu des poules et des abricotiers dans la ferme de Wolfgang Hackel. Bonjour Wolfgang. Hallo. Alors présentez-nous un petit peu cette exploitation très étonnante. J'ai hérité de l'exploitation de mes parents il y a maintenant 8 ans. Au départ, il y avait 50 hectares. Aujourd'hui, j'ai 80 hectares de vergers d'abricotiers et depuis peu, des poules. Mes 600 poules sont élevées directement dans le champ d'abricotiers. Elles pondent 550 œufs par jour. Des abricotiers, je tire environ 100 à 150 tonnes de fruits par an. La politique agricole de l'Union européenne s'est réformée en 2015. Vous en avez ressenti les effets ici en Autriche aussi. D'ailleurs, quelle est la différence pour vous, pour votre exploitation ? La différence entre l'ancien et le nouveau programme est le fort soutien des institutions. Avec l'ancienne PAC, on touchait 330 000 euros à investir dans l'exploitation. Avec la réforme, on aura 400 000 euros sur les 5 prochaines années.
Cette aide représente 20 à 30% du total pour mes abricotiers, pareil pour les poulaillers ou tout autre investissement. Dans la nouvelle politique agricole commune, il y a des mesures de verdissement, mais vous êtes un peu critique vis-à-vis d'elles. Pourquoi ? Nous avons en Autriche de très petites structures bordées de haies qui sont déjà très vertes si on compare avec les autres pays européens, comme la Slovaquie, où les exploitations sont énormes. Avant, on devait consacrer 3% de nos surfaces au verdissement, et non pas 5% comme aujourd'hui. C'était bien suffisant. Il y a de nombreuses petites structures ici, donc assez de verdissement. Est-ce que vous trouvez qu'en Autriche, les jeunes sont suffisamment incités à s'installer, reprendre des fermes, démarrer une exploitation ? Il y a un soutien pour les jeunes entrepreneurs. Quand ils veulent reprendre une ferme, c'est entre 10 000 euros et 15 000 euros s'ils font une formation. Mais ça pourrait être plus. 10 000 euros de soutien initial, ce n'est peut-être pas assez. Voilà, c'est avec Wolfgang et sa très belle poule élevée en plein air que nous vous disons au revoir, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Merci de nous avoir suivis jusqu'en Autriche. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures européennes.